Rebonsoir, c'est Amor 311. Rebienvenue sur ce Deathplay de Silent Hill 2. Dans l'épisode précédent, je venais de rentrer dans l'hôpital. Et là, je suis toujours sur le cas de la boîte du fou dans la salle S7, je crois. Donc là, j'ai trouvé la clé du toit. Et je vais à présent voir ce qui se passe sur le toit. Alors bon, évidemment, il y a le toit. Ça, c'est évident. C'est étrangement silencieux. Vraiment étrangement, surtout que je suis dehors. Oh putain, c'est quoi ça? Ah non! Ah non! Oh putain, non! Ok. Oh non. Ah, j'ai cru que j'allais encore me taper contre lui, mais c'est pas à ce moment-là. Tant mieux. Donc là, je suis tombé dans la salle des fous. Ah, je me souviens, la première fois que j'étais arrivé là, putain, comment j'étais en bad. Je fais quand même gaffe à ma vie. Oh putain, ok, vu comment c'est rouge. Allez hop. Putain, même une trousse de soins, ça a même pas suffi, quoi. Alors. Ok, ça c'est fermé, ça c'est ouvert. Ah. Il y a un message sur le mur. Ok, alors le code c'est 1212. Tourne les chiffres, surtout ne pas les oublier, je vais les écrire à 1. Donc tourne, je suppose que c'est le cadenas qui s'ouvre là. Enfin qui tourne. Puisqu'il dit tourne. Est-ce qu'il y a autre chose dans les salles? Non. Ok. Donc le code c'est 1212. Donc j'espère que... J'espère que j'ai pas l'oublié. Alors, le deuxième code. Le deuxième code, il est dans la salle d'examen. S'il veut bien. Je suis pas au bon étage. Ah ouais, je suis pas au bon étage. En fait, l'autre code, il est dans une salle d'examen. Et c'est sur une machine à écrire. Ça doit être... l'étage encore en dessous, quoi. Le deuxième étage. Je sais que de mémoire, c'est par là. Je vais les ignorer parce que c'est plus simple. Voilà. Cette machine à écrire, là. Alors... oui, une feuille en papier carbone. 9488. 9488. Donc c'est 1-2-1-2. Ah putain, fais-moi la paix. Donc c'est 1-2-1-2. 9-4-8-8. 9-4 comme le département. Et puis 88. Là, je fais exprès de les répéter, comme ça je les oublie pas entre temps. Combien de fois ça m'est arrivé d'oublier un code comme ça entre temps là? Allez. Le plus chaud. Donc je suppose que c'est toi, hein, 9-4-8-8. Ok. 9-4-8. Ah merde, tu fais 7. Putain, gros bolos. Non. Voilà, alors. 9-4-8-8. Voilà. Un de moins. Ensuite, celui-là, facile à retenir. 1-2-1-2. 1-2. Et 1. Et voilà, tout ça pour un cheveu. Donc, je précise aussi que j'ai mis le niveau des énigmes en facile. Donc après, les codes, ça varie en fonction des niveaux de difficulté des énigmes. Alors donc, après, il faut que j'aille dans la douche. C'est là, je crois. Ouais. Et donc, à quoi ça peut me servir? Eh ben,
ça va me servir à ça. Je fais combiner avec... Attends. Ouais, je fais combiner, utiliser. Et ouais, tout ça pour ça. T'aurais pu demander un cheveu à Maria, là. Ça aurait été nettement plus simple. Ah, clé d'ascenseur. Ok. Voilà, je vais pouvoir aller à l'ascenseur. Alors, je vais pouvoir descendre. Hein. Quel étage j'y vais? Bah, je les ai tous ouverts, donc j'en sais rien, moi. Combien d'étages? Ouais, ça doit être l'autre partie où j'ai pas encore encore fait quelque chose. Ouais. Oh putain. Comment j'aime pas ça. Bon, ça c'est fermé. Ça c'est fermé aussi. Ok. Ah. Des munitions là. Munitions encore. C'est tout. Ouais. Ça marche. Et là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est la petite Laura. Comment t'as pu te retrouver ici alors que j'ai l'ascenseur était fermé et que la porte en bas est bloquée? Ok. Laura? Huh? You know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. How do you know about Mary? What's the big deal? Why can't you just tell me? You're gonna yell at me if I don't? No, I won't. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. You liar! Laura, I... Fine, don't believe me! But last year, Mary was already... I'm sorry, Laura. Anyway, let's go. We can talk about this later. This is no place for a kid. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Ouais, ça m'a l'air bien louche, ça. Wait, wait! There's something I gotta get! Later, okay? But it's really important! What is it? A letter from Mary. Huh? I want to go get it, is that okay? Yes, yes! Come on, hurry up! Is it in there? Yeah, in the back. C'est vraiment louche. What are you doing, Laura? It's further back, in the desk. T'es bien naïf, mon pauvre. Laura! What are you doing? Ha ha, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Huh? Do ya? What's the magic word? Laura? Okay, I guess it won't open it. I think I'll just leave you like this. You snotty little brat! Open up! Why, you... Laura? You hurt me! En plus, elle est vexée. Ok, oh putain, lâche-moi saloperie là. Ils sont sérieux de faire des trucs comme ça là? Putain, je vois rien du tout en plus. Casse-toi! Putain, saleté de monstre bizarre. Non, ah oh, putain, le truc qui m'étrangle. La carte. Le mec, pendant qu'il se fait étrangler, il regarde une carte. Casse-toi.
Ah merde. Putain, je ferais mieux de prendre le fusil à pompe. Oh putain, ma vie. Voilà, là je suis en bonne santé. Shotgun. Voilà, boum. Putain, vous êtes costauds les mecs. Allez là. Prends une bastos, il va falloir que je tire. Ah merde. Vous êtes vraiment énervant là. Allez, d'une pierre deux coups. Je crois qu'il faut que je recharge. Ouais. Recharger. Putain, mais vous allez crever, oui. Je suis en train de niquer toutes mes balles de fusil. Bon sang. Allez, allez, viens là. Ose venir là. Vous osez même plus venir. Bande de salopards. Voilà, lui il est mort. Merde. Ah bah bravo. Ah, tu te fais étrangler par une espèce de... par des pieds. Putain, t'as vraiment du mal à mourir. C'est pas trop tôt. C'est bon maintenant. Ah, oh, il y en a un troisième. Putain. Les aligner, ces salopards. C'est bon? Est-ce que je peux sortir là? Oh putain! Pourquoi? Pourquoi? Allez, tire! Pars-toi de là. Allez, pute-le! Mais toutes mes balles de fusil, elles sont en train d'y passer, là. Saleté de boss. Vas-y, recharge, recharge. Voilà. C'est pas trop tôt. Ah. C'est quoi cette vision d'or? Ok. Bon, conclusion, j'ai niqué au moins 2-3 chargeurs de fusil. James. Ah, c'est marrant ça. James. Ah ah. Ah ouais. Attends, je vais faire un petit... Comment dire? Je regarde un petit peu ce qui me reste dans mon inventaire. Oh putain. Il me reste pas beaucoup de balles de fusil à pompe. Heureusement, j'utilise super rarement. Voire même quasiment jamais. J'ai des balles de... Bon, un point de sauvegarde. Je crache pas dessus, j'ai pas envie de tout recommencer. Ah, fusil de chasse. Bah oui. Et ces salopards, ils me donnent qu'un chargeur. C'est pas grave. Ok. Ça promet. Ça, je peux prendre l'ascenseur, il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin de... Putain, je suis obligé de repasser par... par les boutons. Vas-y, ressort. Je veux sortir. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Si au moins il y a une salle ouverte. Ah. J'ai tiré direct. Merde, je crois qu'il y en a un deuxième. Non? Non, c'est... Ah! C'est quoi ce bruit? Putain. J'ai pas kiffé du tout. En fait, c'était rien. Faut pas se poser de questions. Encore une salle bizarre, ça. Moi j'arrive à tirer sur les ennemis avant même que je les vois quoi. Bon, c'est bien, je me refais le plein de balles. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est surtout... Ah, ok.
Bon, en fait, toutes les salles qui sont ici, c'est... Il y a juste... C'est pas des passages obligés, quoi. Ça permet juste de faire des balles, de se refaire le plein de balles. Et de santé. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Voilà. Ça, c'est fermé. Ok. Alors, là, je suis au premier étage. Je vais essayer le deuxième. Je vais faire ça dans l'ordre. Ah! Vous êtes où, là? Première salle que je teste, ouverte. Oh, putain! Oh, merde! Plus de la gueule, cette salle! Je me barre! Je me barre! Ouais, je me souviens qu'il y a une salle, c'est un vrai traquenard. Il y a une des salles, je crois que c'était la salle où j'étais tombé. Il y a juste des infirmières, rien de plus. Rien. Fermé. Fermé. Ouvert. Génial. Ah! Je me rappelle, voilà. Je me rappelle qu'il y a une histoire avec un frigo. Il y a quelque chose qui ressemble à un réfrigérateur. Veux-tu l'ouvrir? Oui. Et là, il y a un gros cadavre. Ah oui, c'est vrai, j'ai besoin de marée. Inutile, la porte est trop lourde, oui. Bon, il y a rien d'autre. Il va falloir que je retourne avec Maria. Et ça, j'ai pas fait encore. Restroom. Bah lui, c'est fermé. C'est fermé. Ouais, tu vas mourir. Le détail, j'ai jamais remarqué, c'est que les monstres, ils paraissent... Ah non, c'était juste celui-là. Parce que j'allais dire que les monstres, ils paraissent un peu plus... différents dans le mode ténèbres. Mais en fait, c'est pas le cas. Ça, c'est la salle bizarre. Fermé. Ouvert. Putain, vous voulez pas me donner une clé ou un truc qui me permette de continuer l'histoire? Ah. Ça, c'est quoi, ça? Il y a un bout de papier sur le lit. J'étais enfermé dans le sous-sol du sous-sol. Ok, je vois. J'étais tellement en l'étroit et il y faisait si sombre, j'avais si peur, j'ai perdu ma bague chérie. Mais je n'y retournerai jamais plus. Ok. Pile sèche. Ah, j'ai ramassé quoi? Le papier peint déchiré, on a dessiné quelque chose dessous. Ah, même le mur. Ses mains cherchent-elles quelque chose? Ok, bon, j'ai pas le temps de lire. C'est pas grave. C'est quoi que j'ai ramassé? Une pile. Oh putain, je m'en rappelle très bien à quoi ça va servir. Clé magasin sous-sol. Donc, j'ai au moins une clé pour le sous-sol. Il y a un autre monstre, mais je m'en fous, c'est pas grave. Ah oui! Je crois que c'est justement là. Voilà, 2 secondes. Oh, je regarderai plus tard. Vas-y, 3e. En fait, je pense que la porte à côté de l'ascenseur, c'est là où je dois mettre la bague. Mais je suis pas sûr. C'est un des étages. Ah! Voilà, c'est à cet étage. Putain! Tu vas te flipper, toi. Allez! Voilà, c'est... Et celle-là. C'est bon. Voilà, c'est ici. Tista bag. Ok. Je croyais que j'avais une bague. Non, c'est pas tout de suite. Je m'en mets de la vie, c'est pas grave. C'est verrouillé. Voilà, il faut que je mette une bague ici. Hein. La main peinte. Hein. Alors, j'ai commencé par la salle du fond. Fermé. 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 Ouvert. Balle de pistolet. Et une ampoule. Ah, ça, c'est super rare, ça. Un bout de papier jeté à terre. Des gribouillages, il y a un message. Ange invisible pour quiconque, sauf pour moi, qui, la voix maîtresse de la porte,
Ils ne peuvent emprunter son pont, c'est du charabia de psychopathe. Tel des corps bouffis et répugnants, ouais, si tu veux. En clair, il faut passer par la porte. Ouais, fermé, 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 ouvert. Ah, c'est là où il y avait Maria. Il y a des flacons vides. Est-ce qu'ils contenaient ce que Maria avalait? Maria est-elle malade, elle aussi, maintenant? Maria n'est pas ici, mais où a-t-elle bien pu passer? Ça, c'est un clin d'œil à Marie. Mais j'en dis pas plus pour pas spoiler. Alors, je crois que je viens de la faire, ça, non? Fermé. Fermé, ouvert. Fermé. Fermé. Ouvert. Pas. Vous êtes où, là? Ok, 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 ok. Viens là, viens là. Je t'attends. Je vois pas grand-chose. Est-ce qu'il est l'autre? Ça, c'est fermé. Ouvert. J'aurais dit que c'était une salle fermée, mais bon. Ah, il y a plein de trucs ici. Une trousse de soins. Des balles de fusil de... Ah non. Ok. Ah, putain! Bouge, bouge, bouge! Putain, j'ai reculé juste à temps, toi. Je tue là. Hop. Et bing! Bon, ça, c'est un ascenseur qui marche pas. J'aurais dit qu'il y avait quelque chose ici, mais bon. C'est pas grave. Hein. Faut que j'aille là. J'irai un peu plus tard. J'ai une autre salle à tester ici. Non. Non. Bon, en fait, je me suis trompé. Encore? Putain, mais. Pourquoi vous revenez à la ville, là? Combien de fois faut que je te tue? Alors. Ah, un point de sauvegarde ici. Sauvegarder, hop. Est-ce qu'il y a un truc en haut? Il y a un toit ou pas? C'est fermé. Donc, dans le toit, je peux pas y revenir. Pas de problème. Ah bah j'ai la clé du sous-sol, je sais pas quoi là. Je vais pouvoir y aller. Fermé. Oula. Putain, ce bruit bizarre. J'ai jamais compris c'était quoi ce bruit. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh putain. D'accord, des balles, deux fusils de chasse. Moi, le gros défaut que je trouve à ce jeu, c'est qu'il met trop de munitions. Ok, il y a des empreintes rouges sur l'étagère. Oui, bah je peux faire que ça alors. À une main, à une main, c'est bien, c'est bien. Respect. James, Mary, oh Maria, it's you. I thought you were. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but she ran away. We've got to find her.
You really seem to care about her. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone. And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Bien, c'est assez bizarre de retrouver Maria ici. Mais bon, quoi qu'il en soit. Ah. L'anneau de cuivre. Ah bah voilà. Je vais pouvoir utiliser l'anneau sur l'espèce de porte bizarre. Vas-y, viens là. Et je vais pouvoir aussi... Putain, ce bruit. Je vais pouvoir aussi ouvrir la porte du frigo, là. Donc c'est pas cet étage-là. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Ouais. C'est bien celui-là. Alors. Non, c'est pas ici. Là, j'ai utilisé l'anneau direct. Vas-y. Voilà, je mets l'anneau de cuivre sur la main de la femme du tableau. C'est bien. Et donc, ça m'ouvre la porte, logiquement. C'est verrouillé. Ok. Ok. Pourquoi? Il y a une femme peinte sur la porte. Bizarre, mais la main est peinte. Hein, ouais. C'est bizarre. À mon avis, il manque quelque chose et ça doit être dans le frigo. Donc j'ai retourné au deuxième étage. Ah, c'était bien le deuxième étage. C'est quoi ce truc? Ah oui, c'est l'espèce de quiz bizarre là. Première question. Manège, maison hantée, grande roue et tasse de thé. Saint-Ty possède un parc d'attractions que les petits et les grands adorent. Question, comment s'appelle ce parc d'attractions? Fantasyland, non. Parc d'attractions de Saint-Ty. Parc d'attractions du Lake. Je dirais que c'est la dernière. Il y a quelques temps, un meurtre a été commis à Saint-Ty. Ouais. Un frère et une sœur qui jouaient dans la rue ont été mis en pièces à la hache. Ça promet. Chair et lambeaux, os fracassés, sang et larmes amères. J'aime bien la précision. L'innocence même tragiquement anéantie. Oui. Quel est le nom de l'auteur de cet acte dément? Walter Sullivan. Ouais, c'est lui. Ok. J'ai jamais entendu parler. Donc c'est le premier. Le vieux quartier de Southvale se trouve au sud de je sais pas quoi. On peut y rejoindre Palville au nord-ouest du lac. Par une seule route. Une route, c'est tout. Comment s'appelle cette route? Bachman Road. Vendel Street. Nathan Avenue. Je crois que c'est Nathan Avenue, mais je suis pas sûr. But be careful if you're wrong. Ok. Well then everybody, thanks for tuning in. See you again sometime. Bye bye. Ouais, bye bye. Il se pose même pas de questions quoi. What was that? Ah si, quand même. Ah! Encore des putains d'infirmières, mais combien je vais devoir en tuer moi? Ok. J'ai droit à un petit image subliminale. Alors voyons ce frigo. Vas-y, ouvre ton frigo là.
You can't open it? Bah non. Yeah. Ça se voit. Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here. Okay. How's a little girl like me supposed to help? Voilà, tout ça pour ça. What's this? Not very cute, is it? Here, James. You take it. Thanks. Ah, c'est un autre anneau. D'accord. Donc j'ai devoir la mettre sur la porte. Je retourne au troisième. Et il y a encore des infirmières. Allez. Ouais, je vais bien te finir. Il y a trop de cadavres d'infirmières là. Allez hop, direction le troisième. Si tu veux bien. Donc ce que je vais faire, je vais mettre l'anneau. Je vais mettre l'anneau et je vais aller à la fameuse salle que la voix parlait là. Voilà. C'est bon, j'ai mis l'anneau. Et je sais pas si c'est déverrouillé. Bon. C'est bon, hein, direction la salle bizarre. Alors. Putain, mais c'était cette salle-là? Non, c'est ici. Ouais. Alors. De mémoire, c'était le 3. Voilà. Ensuite, c'était Walter Sullivan, je me souviens. Et alors, le dernier. Je crois que de mémoire, c'était aussi le 3. Ouais. Ouais! Ça gère. Oh putain! Comme si j'avais pas assez de balles. Fusil de chasse, fusil de chasse, fusil de chasse. Ampoule, ampoule. Putain. Donc là, c'est bien joli, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette porte? La suite au prochain épisode. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mets le pouce vert, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Là, c'est précédent épisode 1 suivant. Putain, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pourquoi? Je vais lui mettre un coup de stylo, moi.